participer, je voulais juste dire que je voulais souligner un grand homme qui est présent ici. Voilà quelques semaines, j'allais à ma bijouterie sur la rive sud. Moi, je suis un gars de rive nord, mais vu que c'est pas une bijouterie, ça s'appelle Qui sert. Moi, je cherchais mon pendentif 14 carats avec des diamants. Merci beaucoup. Mais j'ai rencontré un monument. Je peux même dire un historien de la boxe québécoise, M. Gilles Proulx. On parlait de boxe, je savais, mais là j'ai vraiment vu que c'est vraiment un passionné. Il connaît beaucoup, beaucoup. Il a fait affaire avec Hilton. Je ne sais pas si monsieur Jupou, si vous voulez dire un mot au micro. Merci, mon cher Jean, chers amis. Je suis très impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai goûté la boxe depuis quelques années. Vous savez que j'ai été mêlé à la célèbre famille Hilton. Puis j'ai admiré et aimé cette boxe qui a donné à Montréal une réputation que la boxe n'était pas que montréalaise, mais elle a débordé les frontières. Et quand je vois cette panoplie de jeunes talents ici déterminés, et avec Jean-Pascal qui prend un peu la tête morale de ce groupe pour promotionner justement le talent, pour qu'il puisse percer les frontières de Montréal et du Québec, ben je me dis qu'il y a une renaissance de la boxe pour donner la réputation méritée pour Montréal. Et encore une fois, oui, j'ai rencontré les gens, imaginez-vous, chez un bijoutier, on est accusé de vol de bijoux. Le problème, c'est qu'il y a lui qui nous a volé. Non, il ne nous a pas volé, notre ami qui est ici d'ailleurs, et c'est grâce à lui qu'il m'a approché auprès de Jean-Pascal, et Jean, il est sorti avec un beau trophée qu'il a au cou et qui est fier de présenter. Alors, je ne peux pas faire autrement que de souhaiter à tous, et je devrais dire toutes, parce que vous allez avoir des femmes dans votre écurie aussi. On va avoir aussi des femmes dans l'écurie. Amenez-en, on est capable d'en prendre. Je souhaite de tout cœur, justement, un succès sincère, et nous allons suivre la carrière de tous et chacun ici. Et encore une fois, je suis très content d'être entré dans l'orbite de Jean-Pascal, qui a traversé son chemin rugueux, comme tout le monde d'ailleurs, pour maintenir justement sa détermination et finir une carrière au sommet, et c'est ce qui va arriver. Merci beaucoup.